Faites-les connaître. Ah oui, sa tronçonneuse. Je me souviens un peu arrêter l'arbre ici. Oui. Je me souviens. Viens un peu. Tiens. Chacha, l'oiseau qui fait mon nom avec, avec la grosse tête. Voilà, enfin.
d'effort de la part du gouvernement pour qualifier quelques mois de type comme fonctionnaire et ouvert au public. Je suis... Mme Robert Mathieu, fils de ce village qu'on appelle le village de Samot. Et ici où je vous parle, je suis au pied de la chute Bonjour le pauvre. Avant de vous parler de cette chute gigantesque, une œuvre architecturale tout puissant, je vous dirais tout simplement que mon ancêtre, Kodmom Nouri, parti de Ngodi dans l'arrondissement de Bang, est arrivé ici autour de 1800. Il a eu plusieurs femmes et plusieurs enfants. À la découverte de cette chute, étant donné qu'il y avait parmi ses femmes une reine-mère qu'il aimait beaucoup, il a donné le nom de cette femme-là, qui s'appelait Gonjok. Et cette fille alors porte le nom de Gonjok le pauvre. Notre village, c'est le village de Songhot. Nous sommes ici, là où je vous parle, à 7 km du Goudron, c'est-à-dire que sur Lac Ezeka, le Lodot, et à 4 km du village même, c'est-à-dire du village de Songhot. C'est-à-dire que, comme vous voyez vous-même, c'est une chute gigantesque. Des millions et des millions de mètres cubes d'eau se perdent ici dans la nature tous les jours. Cette chute même est comparable aux chutes des Zambèzes et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette chute, si par exemple le gouvernement venait à faire quelque chose pour cette chute, il y aurait non seulement les touristes qui viendraient en si nombre ici regarder la beauté de nos forêts, mais aussi peut-être engager d'autres travaux et hydroélectriques. Et je remercie tout d'abord le chef de l'État, président Bourguia, qui, lors de son discours de fin d'année en 2002, a invité tous ses compatriotes à faire découvrir les chutes. Maliant alors dans ce sillage, j'ai tout fait pour écrire au ministère du Tourisme afin qu'il envoie une équipe dans ce lieu. Et cela n'était pas tardé. Cela s'est réalisé très rapidement. La première visite, il y a de moins de 2 semaines, où madame, le délégué provincial du Tourisme, s'est déplacée pour venir en ce lieu. Ayant constaté la beauté de cette chute, elle n'a pas tardé à faire venir aujourd'hui l'équipe de télévision pour filmer et montrer dans le monde entier la beauté naturelle du Cameroun. Il y en a beaucoup, il y en a de nombreux chutes. Mais celle-ci, je ne sais pas, je ne suis pas décideur, mais j'inviterai du fond de mon cœur les décideurs à examiner, à voir la beauté de cette chute pour une réalisation, je dirais immédiate. Je vous remercie. Là,
Bravo. Donc. Agis ici, parce que là il y a deux embankements. Au moment de la terre sèche, on peut bloquer ces parties pour que l'eau ruisselle de l'autre côté. Et ceci, les pierres sont très nécessaires au cachet des grenouilles. Elles se passent là et les eaux, elles permettent de se refroidir parce qu'elles ont une vie semi-aquatique. Elles vivent étanchéellement. Non, c'est une chute. C'est une pierre de chute. Il y a une chute là en haut. Il y a une chute là. Il y a une autre là. Il y a une autre là. Il y a une autre là. Non, là, c'est le la Thank you.